Donc, est égal à M de 1 fois I2. Donc, avec M de 1 qui est égal à M1, M2 sur la réductance. Donc, et la mutuelle, ça s'appelle la mutuelle, inductance secondaire primaire. D'accord? Donc, on remarque ici, donc remarquons. Remarquons que M12 égale à M, M12 égale à M21, qui est égal à M, donc on appelle M, d'accord, qui est égal à M1, M2 sur la réductance. D'accord? Donc maintenant, suite à la définition des inductances propres et des mutuelles, d'accord? Donc, suite à la définition des inductances propres et des inductances mutuelles, d'accord. Donc on alimente, maintenant le primaire ou bien le bobinage primaire. Avec secondaire chargé. Avec secondaire chargé. Donc ça veut dire que le secondaire est parcouru par un courant I2. D'accord? Parcouru. Par un courant I2. D'accord? On va ici illustrer ça par le schéma suivant. On le dit. D'accord, c'est un franchi de charge.
Ça, c'est le premier courant ancien. Une contour C. D'accord. Donc, suivant la règle de Tilbury, donc on aura un champ bien plus dans, qui s'écrit dans ce sens-là. D'accord. Donc, le courant I2, c'est un courant induit. D'accord. C'est un courant induit. Donc, suivant la loi de Lenz-Faraday, donc qui sera dans cette direction, parce qu'il va créer un champ qui s'oppose au champ créé par le primaire. D'accord. Donc, rappelez-vous du point de convention. D'accord. Ça. D'accord. On a dit que si le courant I1 et I2, d'accord, vont rentrer, bien, convergent vers le point de convention, ils vont créer un flux additif, d'accord. Mais malheureusement, bien, bon, c'est pas malheureusement, mais le courant I2 c'est un courant induit, donc il va créer un flux soustractif. Donc ça veut dire qu'il va être sortant, d'accord, sortant du point de convention, d'accord. Donc si on prend le courant I2 rentrant, d'accord, dans le point de convention, ça veut dire qu'ils vont créer un flux additif, et ça, c'est pas possible. Donc, sauf si on impose le courant I2, le courant I2 ne sera pas un courant additif. Dans ce cas, le courant I2 est dans le sens opposé, ou bien contraire, du sens réel. D'accord? Donc, le transformateur, on a dit qu'il fonctionne à flux soustractif. Donc, fonctionne à flux soustractif. Donc, suite à la loi de Lenz-Faraday. Donc, KI2 est un courant induit. Car I2 est un courant induit. I2 est un courant induit. D'accord? Donc, appliquant le théorème d'Ampère. Le théorème d'Ampère, d'accord, sur le contour C. Donc l'intégrale de H de L suivant le contour C égale, d'accord. Donc suivant la règle de Tirbuchon, donc le contour C est dirigé dans le sens du flux, d'accord. Donc tous les courants rentrants vont être comptés positivement et les courants sortants vont être comptés négatif. Donc, vous remarquez que le courant I1, donc il va pénétrer, d'accord, dans la boucle C, ou bien le contour C, N1 fois. Le bobinage primaire constitue de N1 spire, d'accord. Par contre, le courant I2, d'accord, c'est un courant induit, donc il est sortant, d'accord, du contour C. Donc, il va être compté négativement. Donc, il sort N2 fois. Parce que le bobinage secondaire est constitué de N2 spire, donc moins N2, I2, d'accord. Donc vous pouvez
trouvé dans la littérature, donc que certains utilisent au lieu ici de moins, ils utilisent plus, d'accord. Donc on a dit dans ce cas-là, comme le Coran est 2, donc il est induit, d'accord. Si on considère ici qu'il est positif, ça veut dire que les flux s'additionnent du premier et du secondaire, d'accord. Ça veut dire que le Coran est 2, d'accord, il est dans le sens opposé du sens réel, d'accord. Donc, on va revenir sur ce point-là par la suite, d'accord. Donc, à cause du feuilletage, donc on a dit l'intégrateur HDL est égal à H L moins, qui est égal à N1 et 1 moins N2 et 2 sur, pardon, N2 et 2. Donc ça veut dire que H égale à N1 et 1 moins N2 et 2 sur la longueur moyenne. D'accord? Donc le flux qui circule dans le circuit magnétique, le flux qui circule dans le circuit magnétique, ou bien flux par section, ou bien par spire, comme vous voyez, phi égale à B fois S. Donc B et S sont parallèles, ça veut dire égale à B fois S. D'accord. Maintenant, le flux vu par le bobinage primaire, d'accord. Le flux vu par le bobinage primaire, donc phi 1. Donc le bobinage primaire est constitué de N1 spires. Chaque spire va voir ce flux phi, petit phi. D'accord. Donc ça fait N1 fois phi. Et petit phi égale à B fois SE. Et B eh bien, égale à mu fois H pour le matériel magnétique. Donc ça fait mu fois H fois SE. Et H, c'est bien N1 et N1 moins N2 et 2 sur L moyenne. D'accord. C'est bon, donc je peux. Voilà, si. Donc, phi 1 égale à N1 mu H, c'est bien N1 et 1 moins N2 et 2 sur la longueur moyenne, fois S. D'accord, on va ici demander ça. Donc, N1 fois 1, ça fait N1 au carré. Donc, on a, on peut dire mu S sur la longueur moyenne. D'accord. Donc si N1 au carré, N1 fois 1, ça fait N1 au carré, et 1, moins N1, N2, et 2. D'accord. On va essayer d'arrondir ça. Donc si N1 au carré, Q divise la réductance, fois et 1, moins N1, N2, Q divise la réductance, fois et 2. D'accord. Donc avec la réductance du circuit magnétique, c'est bien 1 sur mu, N moyen, sur SE. D'accord. Donc, phi 1 égale, donc ça c'est bien L phi 1, moins
moins, ça c'est M fois I2. L1, d'accord, avec L1 égale LP1 égale N1 au carré sur la résistance. D'accord. Je vais essayer d'encadrer ça. Donc, maintenant le flux vu par le secondaire, bien le bobinage secondaire, c'est bien phi 2 qui est égal à N2 fois phi. Donc le bobinage secondaire est constitué de N2 spire fois le flux qui circule dans le circuit magnétique. D'accord? Donc on a dit que phi égale à B fois SE, B égale à mu fois H. Phi 2 égale à N2, donc B c'est mu fois H fois SE, et H c'est bien N1 et 1, moins N2 et 2, sur la longueur moyenne, fois SE, donc si on arrange ça, donc on trouve Phi 2 égale à N1, N2 sur la réductance fois et 1 moins N2 au carré sur la réductance fois I2, c'est-à-dire est égal à M et 1 moins L2 I2. D'accord? On va essayer d'encadrer ça, cette relation aussi. Donc L2 égale LP2 égale N2 au carré que divise la réductance. D'accord? Divise la réductance. Donc, N, c'est bien, N1, N2, et M égale à N1, N2 sur la résistance. D'accord? Donc, le signe moins, ce signe moins là, d'accord? Le signe moins, d'accord? Le signe moins, d'accord? Échappe masse, d'accord? Qui possède, ou bien qui précède I2, le TISPAC I2, qui précède et dû à la loi de Lenz Faraday. Parce que le courant I2 est un courant induit et signifie aussi
montre que le transformateur fonctionne à flux soustractif. D'accord. Donc on va faire une petite remarque. Donc on peut choisir le sens de le sens du courant et de telle sorte qu'il crie un flux additif. Bon, c'est-à-dire que I2 entre dans le point 2 convention et 1. D'accord. Donc, ce qui permet d'écrire donc Φ1 égale N1 et 1 plus N et 2. Et Φ2 égale à N et 1 plus L2 et 2. D'accord. Donc I2 dans ce cas-là, I2 est dans le sens, bien en étant sens opposé du sens réel. D'accord. Et cette écriture, d'accord, elle est plus simple que celle-là, donc surtout dans les machines, par la suite on verra dans les machines triphasées, donc où on a plusieurs bobinages, d'accord, et bien sûr plusieurs courants, plusieurs mutuelles, plusieurs inductances, d'accord. Donc si on écrit plus, d'accord. Donc, ça sera plus simple que d'écrire en moins
D'accord? Ça veut dire qu'il faut connaître exactement que les six Corans sont des Corans hindous pour les précéder par un signe moi. D'accord? Et en plus de ça, dans les machines, donc lorsqu'on cherche à calculer le couple électromagnétique, la puissance, l'énergie, etc. Donc on a, d'accord, le Coran au carré. Donc bon, on s'en fout du signe du Coran, d'accord, positif ou négatif. Donc pour nous c'est pareil dans l'expression du couple ou bien de l'énergie, d'accord, magnétique. D'accord. Donc la machine industriel, la machine industrielle est une machine, attention, constante, donc bien sûr au sens d'une fonction sinusoïdale, donc qui est constante. Sens des fonctions sinusoïdales, sinusoïdales d'amplitude, d'amplitude constante. Donc, l'augmentation de la tension est interdit le fer ou le circuit magnétique est déjà à la limite de saturation. Et déjà à la limite de saturation, d'accord, on peut bien exploiter notre matériau, bien sûr, d'accord, on est à peu près à la limite de saturation et deviendra saturé suite à la relation de bouchon. Donc on a vu efficace égale 444 fois le nombre de spires, fois la fréquence, fois la section du circuit magnétique, fois le max. D'accord. Et si je vous demande, deviendrait catastrophique. Et l'échauffement deviendrait catastrophique. D'accord. Donc ici, donc la machine fonctionne à flux soustractif.
industriel fonctionne avenue soustractive. D'accord? Donc on passe considération des fuites magnétiques. Considération des fuites, bien des fuites magnétiques. Donc, donc, on a le bobinage primaire. Alimenté par les tensions U1. Traversé par un colon I1. D'accord. Donc, on aura un flux qui circule dans le circuit magnétique. Donc, Φ1, d'accord, donc ça